Nocar City Frederic, Rivar, Canadá Mantacani y Perus Yupi Ancani, Asociación Rariwawan, Chayala Kupisier, una cimitar imani. Bonjour, je m'appelle Frédéric Rivar. Je suis conseiller en développement organisationnel pour l'association Arriwa au niveau des associations de producteurs laitiers. Dans le fond, je suis un fils de producteur agricole de la région de Saint-Hyacinthe au Canada. Durant la semaine, j'habite dans la communauté Pomacanchi qui se trouve dans la province de Acomayo. Ce que j'aime le plus de la communauté où j'habite, c'est l'aspect chaleureux des gens, leur hospitalité. Les gens sont incroyables. Le rythme de vie est beaucoup plus lent. On vit vraiment au rythme des saisons. Je travaille pour la division à microfinancement des Arriwa. Arriwa, c'est une ONG qui travaille dans le département de Cusco. Puis la division microfinancement s'occupe de fournir du crédit à des gens qui sont souvent exclus financièrement, malheureusement, du système économique péruvien. Donc, on donne accès à des gens qui vivent dans des communautés isolées. C'était intéressant de voir à quel point un petit montant peut avoir un impact très positif sur une famille. Par exemple, une famille qui réussit à mettre de l'argent de côté puis envoyer les enfants à l'école, une famille qui investit dans son entreprise puis générer un peu plus de revenus peut se permettre d'avoir des meilleurs vêtements, d'avoir accès à de la meilleure nourriture pour la famille en général. C'est pour ça qu'on favorise surtout le travail avec les femmes campesinas parce que les femmes, c'est elles qui ont le plus gros impact au niveau de la cellule familiale. Si on est capable de mettre une femme de l'avant, de favoriser son intégration, son développement avec les prêts, en général, on réussit à avoir un impact beaucoup plus puissant. C'est jamais très facile de s'intégrer dans une communauté, spécialement quand t'es un gringo au Pérou. Les gens sont un peu distants au début, mais si quelqu'un est persévérant, si quelqu'un est ouvert d'esprit, si quelqu'un a le goût d'apprendre, les gens vont rester ouverts pour la vie. Après, c'est des relations que j'oublierai jamais. L'aspect préféré de mon poste, c'est de côtoyer les communautés péruviennes des provinces autres, de me déplacer en auto d'un endroit à l'autre, d'être au milieu de la nature, puis surtout de voir que oui, avec des petits gestes, on peut changer les choses. Je pense que mon expérience va avoir changé ma vie à jamais. Pero su yupi, ashka munai kashan, chayareku, suyaiki, en chaypi.